Ignacio Ravino et Bruno Riedra l'ont rencontré. C'est partagé entre son taille et son téléphone portable que Yannick passe le plus clair de son temps. S'il exerce le métier de jardinier depuis 2 ans, il n'a monté sa propre entreprise qu'au mois de janvier. Au début, c'est ce que je travaille. On me paye par le chèque service. Et ils m'ont aidé aussi à acheter des matériels pour m'aider à lancer dans le jardin. Et après, j'ai entendu bouche à oreille pour Adi. Et j'ai pas dû demander pour m'aider. Comme Yannick, beaucoup aimeraient bien se mettre à leur compte, mais ils sont souvent découragés par les nombreuses démarches administratives, d'où l'organisation d'un forum de la micro-entreprise ou comment développer et concrétiser une idée pour en faire son gagne-pain. Ça peut se résumer comme l'endroit où pendant 2 jours, on va pouvoir rencontrer de façon complètement gratuite et libre tous les organismes, tous les services, tous les établissements qui d'une façon ou d'une autre doivent aider, informer, accompagner les créateurs d'activités. Yannick, lui, a contracté un prêt auprès de l'ADI à hauteur de 700 000 francs pacifiques, ce qui lui a permis d'acheter le matériel nécessaire à son activité. Yoann Capmas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le délégué territorial de l'ADI en Polynésie française, qui, je le rappelle, existe depuis 5 ans bientôt en Polynésie. Il s'agit donc de l'association pour le crédit à l'initiative économique, 400 personnes déjà soutenues. Mais rappelez-nous brièvement en quoi consiste l'ADI. Qui peut avoir recours à l'ADI? Rapidement et simplement, l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, depuis 2009 effectivement on est sur le Fénois, on existe pour financer des personnes qui ne sont pas finançables par la banque et qui ont un projet ou qui souhaitent développer un projet, et c'est important de le souligner, puisqu'on a des personnes qui ont déjà créé une activité économique et qu'on peut également financer. Alors financer à hauteur de combien et quel plafond? Alors on est sur du microcrédit, microcrédit c'est des petits prêts sur des petites durées. Quand on dit petit prêt, on va de 10 000 francs pacifiques jusqu'à 700 000, voire 1 million 2. Et la durée de remboursement est généralement en dessous de 20 mois. Alors il y a un taux d'intérêt, pourquoi? Puisque vous êtes une association. Bien entendu, il y a un taux d'intérêt puisqu'on achète en fait cet argent aux banques qui nous le prêtent, à qui on le rend en fin d'année. Donc on a une obligation de remboursement. Alors très bien. Dans ce cas-là, pour les prétendants à l'ADI, est-ce qu'il y a un critère particulier? Est-ce qu'il faut des documents particuliers? Et puis ben, surtout, sur combien d'années est-ce qu'ils peuvent échelonner leur remboursement? Alors bien entendu, il y a des documents. Le plus simple est de venir nous trouver au bureau à Papeete ou sur les autres atolls sur lesquels on est, puisqu'on est également à Toubouaï, on est également à Raiatea, on est également à Ho, dans les Tuamotu. Voilà, pour simplifier les choses. On va voir avec la personne rapidement son expérience, son projet bien entendu en détail, son besoin de financement et puis derrière le budget. Voilà, c'est la somme des trois qui va nous permettre de monter son besoin de financement et de l'accompagner au mieux dans ses démarches administratives. Alors pour ces personnes donc, qui viennent, qui arrivent avec leur dossier, est-ce que ça va être considéré immédiatement ou il y a un délai d'attente hein? Alors la grande force et la grande qualité de l'ADI, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir s'adapter au rythme de la personne. Il y a certaines personnes qui auront un projet qui sera mature, sur lesquels on va pouvoir aller vite. À ce moment-là, on a des commissions, des comités de crédit, on appelle ça, sur la décision du financement, qui se font toutes les semaines, voire plus rapidement. Donc on peut aller très rapidement sur un financement et un accompagnement d'un porteur de projet, comme on sait aussi prendre le temps, faire assister la personne aux bonnes formations pour lui faire monter son projet de la meilleure des manières, et sécuriser son parcours dans sa création d'entreprise ou dans son développement. Alors Yannick est un exemple concret de réussite, mais avez-vous aussi des personnes qui malheureusement ne peuvent plus rembourser? Dans ce cas-là, comment font-elles? Alors, bien entendu, ça nous arrive rarement, heureusement, parce que c'est notre travail, tout simplement. Vous savez, ici, sur le Fénois, il y a une expression qui est terriblement pertinente, j'ai envie de dire, pour le microcrédit, parce qu'elle est vraie, c'est « allez malou, allez papou ». Voilà, avec la création d'entreprise et avec le crédit, c'est vrai. Voilà, faut vraiment faire attention au crédit, ça peut être un vrai coup de pouce, puisque le nerf de la guerre, c'est bien l'argent et l'investissement sur l'activité économique. Pour autant, il faut faire attention. Donc souvent, on va évaluer le projet, essayer de financer de manière progressive les différents projets qui s'offrent à nous.
Johan Capmas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc je rappelle, c'est le 16 et 17 avril dans le hall de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci à vous.